gonna tell you a story about a woman I know. When it comes to love, she steals the show. She ain't exactly pretty, she ain't exactly small. 4-2-39-56. You can tell she's got it all. Qui joue une division au-dessus de vous. Qu'en avez-vous pensé de cette belle victoire? Bah, franchement, c'était une victoire complètement méritée. Les matchs, les sets étaient serrés. L'équipe d'en face s'est très bien battue. On a fait beaucoup de fêtes également, mais on a su se rattraper. On se prend des écarts, mais on lâche rien mentalement, ce qui nous permet de rattraper et de finir par gagner nos sets. Après, certes, c'était une équipe au-dessus de nous. On avait peu de chances de gagner, même. On avait moins de 50% de chance de gagner, on a réussi à montrer ce qu'on savait faire, ce qui nous a permis de remporter la victoire. Après, je pense qu'au troisième set, on a fait un bon choix de changer de passeur, parce que le jeu accéléré a permis de, perturber Orchi, en fait. C'est ça, tout simplement. Et le souci, c'est que Orchi ne s'attendait pas à un jeu accéléré, ce qui nous a permis d'ouvrir sur les ailes plus facilement. Ça passait, on va dire, entre guillemets, à 80%, sans être méchant. Malgré les écarts qu'on a dit Samir juste avant, comme sur le dernier set, 19-14, on est mené. Et on accroche le match à 29-27. Salut, à la prochaine. Donc c'est assez. Au revoir. C'est assez intéressant. Et là on peut voir que on est peut-être bon pour la montée cette année. On peut voir qu'on est une équipe jeune. La fin de match était quand même très serrée et très stressante. C'est ça. Après, comment vous avez géré la pression? Bah après c'est à force, c'est avec l'expérience. Plus on fait de matchs, plus on a d'expérience de voler, plus on sait gérer la pression. Je la vois. C'est facile. Super. Merci beaucoup les gars et belle victoire. On t'en prie.